Alors, on se retrouve dans Grid Legends pour finir le sponsor qu'on était en train de faire et pour commencer une nouvelle coupe. Et donc, si on va voir ici dans Écurie, on voit le sponsor Distort et on voit qu'il ne nous reste plus que une course à gagner sur conditions humides, dans les trois premiers sur conditions humides, et ce sera bon. Et c'est ce qu'on va faire maintenant et voir ce que ce sponsor nous offre. Et puis on choisira un nouveau sponsor et on commencera une nouvelle coupe. Voilà. Alors, c'est parti. On va donc aller dans carrière, rookie, et il faut aller dans celle-ci, parce que là il y a une course humide ici. Et donc on va commencer cette course-ci, on va gagner sur terrain humide et on complétera la carte du sponsor et on verra ce qu'on obtient comme récompense. C'est parti. Essayez de pas trop taper les voitures, ça commence bien. C'est toujours délicat ici sur terrain mouillé. C'est les courses les plus difficiles à gagner en fait parce que les voitures patinent. Allez, c'est parti, on est premier. Maintenant, il faut assurer la place. Curieux de voir ce qu'on va recevoir comme récompense du sponsor. Ce dernier tour était de 1, 49, 6. Faudra que je re-regarde la vidéo, mais j'ai essayé de donner un ordre à mon coéquipier d'attaque. Je sais pas si elle l'a fait ou pas, je sais pas si ça a marché. J'ai appuyé deux fois très rapidement sur le curseur vers le haut de la croix directionnelle. Je sais pas si ça a fonctionné. Je crois pas. En fait, j'arrive pas à donner les ordres comme c'est expliqué. Aïe aïe aïe. Oh, c'est très mauvais ça. Là, je vais me faire attraper. Sous la pluie, c'est toujours pénible. Surtout avec cette voiture-ci. Le
Allez, on y arrive. Plus qu'un tour. Dernier tour. Voilà. 1, 47, 6. C'est parti. Après, il y aura encore la deuxième manche à faire. Mais la deuxième manche est sur terrain sec, ce qui est un gros avantage. Ah, ce tournant-ci, je le rate tout le temps. Enfin, ce virage-ci, je le rate tout le temps. Je glisse, j'arrive trop vite. Allez, on y est presque. Voilà la dernière ligne droite avant l'arrivée. Voilà, nous y sommes. Donc on va débloquer le contrat sponsor. Voilà. Terminer troisième ou mieux dans des conditions. Argent obtenu. Argent obtenu. Épreuve débloquée. Alors. 2008, ça c'est le truc normal dessous. Alors la deuxième épreuve a commencé. J'espère qu'on verra quand même ce qu'on a gagné avec le contrat. Alors ici, il faudra faire 5 tours, mais c'est sur circuit sec, donc ça va. Là, je pars quoi, tout dernier? Ouais, je pars tout dernier. C'est parti. On va essayer de se concentrer. De ne pas faire trop d'accidents. C'est déjà bien parti. Voilà. C'est pas évident avec toutes les voitures. Essayer de dépasser ici quand même. Voilà, là, c'est raté. J'ai utilisé un rebobinage pour pas être trop pénalisé. Il faudrait une longue ligne droite pour pouvoir dépasser correctement. Douzième, c'est pas si mal. On va essayer de tenter un dépassement ici. Voilà, une longue ligne droite. On va pouvoir remonter le peloton. Ah, j'utilise mon bobinage, le deuxième, j'en ai plus qu'un. Et si je passe en tête, j'en aurais plus besoin. Voilà. Maintenant, il suffit d'assurer la place. Et on en aura fini avec cette voiture, puisqu'on aura débloqué tout ce qu'il fallait faire avec le sponsor. Faire les 95 km.
gagner les courses et terminer sur circuit humide dans les trois premières places. Et on pourra voir ce que le sponsor va nous donner, enfin j'espère. Puisque la carte est complétée, il faudra en choisir un autre. Ton dernier était de 1, encore 3 2, tours. 5. Alors j'ai été faire un tour dans la boutique. On peut acheter plein de trucs et je se soupçonne et évidemment avec Codemasters d'avoir limité le nombre de gold qu'on gagne pendant les courses pour pousser un peu les gens à aller dans la boutique pour acheter des améliorations de voitures, des packs et des trucs comme ça, parce que je trouve qu'on gagne quand même très peu ici sur ces courses. C'est 2000-2008, c'est quand même pas beaucoup comparé au prix d'une voiture par exemple qui coûte 90 000. Et certaines améliorations aussi coûtent dans les 10 000. Il faut déjà faire 5 courses pour avoir 10 000. Sauf la première fois où vous gagnez le double, c'est-à-dire 4 000. Maintenant, il faut voir dans les niveaux supérieurs si on gagnera pas plus. C'est difficile à dire, évidemment. Ah, à chaque fois, je me tape au freinage. À chaque fois, je dévie, je me tape la rambarde. Il y aura encore un tour à faire, le dernier tour, on y est. Et on pourra commencer une nouvelle coupe. Et un nouveau sponsor. Peut-être pas encore, si c'est peut-être mi-course. Oui, c'est ça, c'est mi-course ici. La mi-course pour le tour, mi-tour. Et bien voilà, on finit premier. On a fini notre carte de sponsor. On est toujours semi-pro. Alors, on va voir maintenant ce qui nous attend au niveau de l'écurie. C'est dommage qu'on puisse pas passer un moyen autrement, mais j'y arrive jamais. Voilà, donc on va aller voir au niveau de l'écurie ce qu'on a gagné, puisque maintenant notre carte Distort est pleine. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, ma carte est pleine, mais je ne sais pas ce qu'on obtient. C'est fini. Et voilà, 3 sur 3. Retour. Je sais pas ce qu'on a obtenu, je n'ai aucune idée de ce que ça nous a permis d'avoir. Donc j'ai rempli tous les objectifs, ça met 3 sur 3. J'ai fait 95 km, j'ai battu 4 fois le RIC et j'ai terminé dans les conditions humides. Mais voilà, la carte est complète. Maintenant je sais pas ce qu'il faut en faire. Alors je vais prendre une autre à remplir.
Ici, c'est pour les véhicules spéciaux. Avec des véhicules touring. Alors, je sais pas quels sont les véhicules touring. Je vais regarder. Je vais prendre celui avec les véhicules touring. Voilà. Ici, je sais pas ce qu'il faut faire pour remplir la carte. Enfin, pour échanger la carte, je sais pas ce qu'il faut faire. Aucune idée. Bien. Bannière d'écurie, oui, c'est tout. Progression. Niveau touring. Niveau GT, ok. Ce sont nos différents niveaux. Je vais aller sur carrière. Rookie. Il m'a mis un nouveau truc, mais je ne vois pas. Dans carrière, il y a un nouveau truc qui s'est mis. Il a débloqué une épreuve, apparemment. Donc, on va essayer de voir les voitures touring. On va essayer de voir ce que c'est. Quelle course il faut prendre. Celle-là, c'est bloqué de toute façon. Spécial. Sinon, je pouvais prendre spécial. Ouais, je pouvais prendre spécial peut-être. GT, track D, électrique. Bah, je vais changer, je vais prendre spécial alors. Comme sponsor. Voilà. Kilomètre parcouru avec des véhicules spéciales, se réaliser de bons virages et survivre aux éliminations. Bah, je vais faire ça. Voilà. Je prends Island comme sponsor. Et j'ai toujours aucune idée de ce que ça va me débloquer. Alors peut-être si je vais voir dans garage. Faisons ça. Allons voir dans garage. Social, créateur de course, garage. On y est. Prenons les voitures spéciales. Voilà. Alors. Je vois pas rien au niveau des cartes. Ouais, je vois rien au niveau des cartes. J'ai pas d'idée. Bon. On va faire les courses spéciales et on verra bien. Continuer carrière, on prend rookie et on prend les courses spéciales ici. VOE Fun Car Cup épreuve, deux manches. On va faire ça. Terminer l'épreuve. Allez, c'est parti. Ah, j'aurais peut-être pu voir pour améliorer ma voiture. À moins qu'on puisse pas. Non. Bon, on va la prendre et on va faire l'épreuve. Allez, c'est parti. Trois tours. On dépasse. Par l'autre côté, voilà, impec. Et voilà. On va passer en tête et essayer de garder la place le plus longtemps possible.
Alors, plein de choses à réussir pour ce... pour cette carte. Notamment les bons virages. Voilà. On est bon. Faut garder sa place maintenant, rester en tête, faire des bons virages, je crois, pour remplir la carte du sponsor. Et cette voiture est super chouette à conduire, cette Volkswagen. Allez, dernier tour, c'est parti. On va tenter de faire des bons virages. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Voilà, bon virage, impec. Et c'est encore faire autre chose, mais je me souviens plus. L'aspiration, je crois. Je ne suis plus sûr. On verra à la fin. Allez, on y est, premier. Voilà. Impec. Alors, 4000 de récompense, de nouveau. C'est le double et 1600 enlevés. Finalement, on gagne pas grand-chose. Allez, Rookie Specials 4. Alors, normalement, il n'y avait qu'une seule épée. Ah non, il y a deux manches quand même. Tiens, je pensais qu'il n'y avait qu'une manche. Très bien. Voici la deuxième manche. Je pars dernier. Course de nuit. Ça, il y avait aussi un objectif dans une des cartes. Il fallait faire des courses de nuit. Peut-être bien cette carte-ci, je ne sais plus. Oh, génial. Très bonne remontée. Excellent. Premier virage déjà 14e, très très bien. Très très bien, hop là. Ah, c'est bien peinard. Je vais faire gaffe ici. Allez, 9e. Et on va falloir freiner pour pas heurter. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Allez, on les dépasse par ici. Passe ici sur le côté, impeccable. Attention au freinage ici. Et c'est bon. Maintenant, 5e. Allez, au prochain virage, on en dépasse encore au moins un. C'est fait. Reste plus que ces trois-là. Ça va aller vite. Hop, ici, par là. Si on a une longue ligne droite, ce sera génial. Attention, ouais, impec, ça passe tout juste. Et c'est bon. Dans la longue ligne droite, impeccable. Attention ici maintenant dans le virage. Et maintenant il suffit de garder sa place. Il reste un tour et demi. Enfin, plutôt, il reste deux tours et demi.
Alors je me demande si ce sera une voiture différente à chaque épreuve. Parce que dans l'épreuve précédente qu'on a faite, c'était toujours la même voiture. Et on pouvait l'améliorer. Ici, j'ai pas vu d'amélioration possible pour la Volkswagen. Allez, encore deux tours. Tu as réalisé un chrono de 2, 9, 8. On verra aussi notre progression sur la carte de défi de ce sponsor-ci à la fin de ces deux manches. Le mode carrière a quand même l'air assez long. Parce que quand on voit que toutes les courses qu'il faut faire, toutes les choses à débloquer, c'est juste énorme. Allez, dernier tour. Allez, la longue ligne droite maintenant. Allez, on y est presque. Et voilà l'arrivée. Impeccable. On va voir ce qu'on a gagné. Ah oui, kilomètres parcourus déjà 17, de bon virage 3 sur 28, d'accord. Bon virage, c'est assez difficile apparemment. Mais ça, on peut le faire avec n'importe quelle voiture, donc s'il reste que ça à faire, on peut le faire avec d'autres voitures. Moi je suppose de nouveau 1700. Ouais, j'ai même pas vu. C'est toujours long d'attendre. Alors, voyons voir si maintenant on a accès à l'épreuve numéro 2. Eh bien, on n'a pas accès. Ah si.
On a accès à l'épreuve numéro 2, je suppose. Là, voilà. Très bien. De nouveau, deux manches. C'est la VOE Car Cup épreuve 2. Très, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est vérifier dans le statut de l'écurie un truc qui s'est débloqué dans Garage. Ah, dans Special Garage, il y a un truc qui s'est débloqué. On va aller voir. Voilà. Ah, on a débloqué une voiture, voilà. On a débloqué la Mini en gagnant la course, là. Donc c'est impeccable. On a débloqué la Mini. Mini Miglia Challenge. Impec. Et alors, si on sort de là... Donc on va sur Sponsor, on va pouvoir voir où on en est. On a fait 17 km déjà, on a fait 3 bons virages. Et il faut survivre aux éliminations. Alors pour ça, il faut trouver des courses à élimination, bien évidemment. Alors, on va continuer. On retourne au mode histoire, carrière. On va dans Rookie et on va dans Specials et on prend la nouvelle épreuve. Alors, info de l'épreuve. Bon, on les voit. On va la prendre. Comme ceci. Les améliorations, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Niveau 1. Alors, pour le niveau 1, il faut faire 16 km. Mais ça, j'ai fait. Hein. Déjà 16 km, non? Je suis à combien, là? 0 sur 16. Tiens, c'est bizarre. Je viens de faire une course avec cette voiture, il aurait dû enregistrer quand même le nombre de kilomètres. Étrange. Étrange, étrange. C'est pas la même. Voiture, ben si, c'est la même voiture. Terminer l'épreuve dans le top 3. Alors on peut pas prendre d'autres voitures, on n'a pas le droit apparemment. J'ai étonné que les améliorations sont bloquées. 0 sur 16 km piloté, alors je viens de piloter. C'est très bizarre. Ici. Qu'est-ce qu'il dit? Pareil. Alors que j'ai roulé avec la même voiture. C'est très étrange, ça. Ok, peu importe. 5 tours. C'est parti. On fait l'épreuve. On commence en 12e position apparemment. C'est parti. 5 tours. On est par ici. Un pec. Ça, c'est une remontada de l'enfer. Allez, c'est parti. Alors, on est en tête. Premier tour, c'est nickel. Je sais pas trop ce qu'il faut faire pour faire un bon virage. Je suppose que c'est la trajectoire plus la vitesse qui doivent être bonnes. Il ne m'a pas mis bon virage. Alors là, le premier tour est déjà bouclé. Lors du dernier tour, ton chrono était de 1, 15, 6. Allez. Non, c'est pas bon tournant non plus. Non plus. Pas évident d'obtenir des bons virages. Ah, là on est à un bon virage.
Forcément, il était en ligne droite. En ligne droite, je veux dire, allez. Ça tournait pas beau. Pas très fort. Donc, à mon avis, c'est trajectoire et vitesse qui doivent être bons pour obtenir bon virage. Non respect. Oh, c'est une blague. J'ai juste un peu dérapé. Là, je crois que j'ai un bon virage. C'est bien. C'est quand même plus facile sur circuit sec le jeu. Moi, je vois l'avance que j'ai. C'est tranquille. Il reste 2 tours. Je trouve 23 secondes d'avance, c'est énorme. Dernier tour, reste en tête. Dernier tour. Un petit bon virage, non? Non. Allez, on y est. C'est arrivé. Moins rien du tout, on dirait. Tiens, maintenant il me met le kilométrage et tantôt il me l'a pas mis. C'est vraiment étrange. C'est pas trop grave. Alors c'est parti, on part. Dernier. Quel parcours avec les véhicules spéciaux? 29 sur 95 déjà. Allez, c'est parti. Après, on tentera les bons virages de nouveau. On va d'abord dépasser tout le monde.
Ici, il y a une longue ligne droite où on pourra dépasser au prochain tour. Pour le reste, ça risque d'être compliqué. Voilà, j'ai raté. Voilà. Sur ce circuit-ci, je suis beaucoup moins bon. Je fais pas mal d'erreurs. Il y a parfois un comportement très bizarre. Essayer d'assurer, essayer de faire quelques bons virages aussi. Je sais pas si on va y arriver. Voilà, je coupe encore, j'ai pas fait exprès. Plus que 3 tours. Allez, encore 3 tours. J'ai pas l'impression qu'on a fait beaucoup de bons virages. Il te reste encore 2 tours. Encore un tour après celui-ci. Ok. Voilà. Le dernier tour a donné 1, 4, 2. Catastrophe, hein. J'arrive jamais à le prendre comme il faut. Fatigué, je dévie fort de ma route.
Allez, on y est presque encore. Un virage et c'est bon. Je serai content d'y être. Et voilà, nous y sommes. Premier. On a fait 37 sur 95 km. On avait 6 bons virages, c'est vraiment pas beaucoup. On n'a fait aucun sur cette course apparemment. Amélioration de véhicule débloquée. Donc on va améliorer notre véhicule. Pénalité. Les pénalités suivantes ont été appliquées. Pénalité de temps 1,5. Position finale 1. Montant final 4,91. Génial. Super. Donc effectivement, si vous faites des bêtises, vous aurez des pénalités. Il m'a mis une seconde dans les dents. Et j'ai perdu 4096 apparemment. Ça m'arrange pas trop ça. Mais bon, j'ai pas trop le choix je crois. Alors ici, maintenant on peut améliorer le véhicule. On va faire ça. Pour accéder à cette épreuve, débloquer le niveau 2 d'amélioration. C'est ce qu'on va faire. Allez c'est parti. Amélioration ici. 2000. Ici, 2000. Là, pareil. Ici, pareil. Et ici, 10 000, ça on va pas prendre. Ça on va prendre. Et bien voilà, il va falloir continuer à rouler pour avec cette voiture pour obtenir le niveau suivant d'amélioration de la voiture. Il va falloir refaire des courses. Pour augmenter le nombre de kilomètres pour la voiture, puisqu'ici il va falloir, pour l'améliorer, il va falloir 56 kilomètres, donc il faudra encore faire au moins une fois autant que tout ce qu'on a fait avec la voiture jusqu'à présent. Alors on va regarder d'autres choses, on va regarder la classique Mini Cup, puisqu'on avait débloqué cette voiture tout à l'heure, en gagnant je crois la première épreuve, donc on va la prendre, terminer dans le top 3, on va encore faire cette épreuve-ci. Avec la mini Miglia Challenge. Alors les améliorations qu'on peut faire. Alors il faut faire 16 km pour améliorer la voiture. C'est parti, on la prend. Et on commence l'épreuve. Ah, la pluie est de retour. C'est parti. Je vais essayer de passer ici, sur le côté, là, et ici, comme ceci, impeccable, c'est plutôt bien. Bon, j'ai utilisé un de mes rebobinets, mais j'ai pas vraiment le choix. Alors, on va le dépasser celui-ci, hop là, c'est bon, nous voilà premier, il n'y a plus qu'à tenir deux tours et demi. Le circuit a l'air assez court, je pense. Attention parce que ça glisse. La voiture est fun à conduire, elle n'est pas trop puissante. En même temps, c'est une mini. Ok, t'as bouclé le dernier tour en 1, 15, 4. Oula, virage complètement raté. Complètement raté. Catastrophe.
Allez, plus qu'un tour. 1, 4, 1. Voilà, on va pouvoir commencer notre dernier tour. Ah non, c'est déjà bon. C'était le dernier tour. Voilà, je suis distrait. Donc 42 km sur 95 avec des specials. 6 bons virages sur 28 seulement. Et les top 3, c'est bon aussi. On a 4000, c'est la première fois qu'on gagne la course. Ok, kilométrage. Là, il est note tout de suite. 5 km. Échelon dispo dans... autant, très bien, on va faire maintenant la deuxième manche. Alors, on démarre dernier. Cinq tours. Avec notre mini. On va essayer de ne pas faire d'accident. On trouvera bien un moyen de dépasser dans une longue ligne droite. Ici par exemple, dans le tournant, enfin dans le virage, c'est possible. Allez, ligne droite, on essaye d'en prendre un ou deux. Ah, ça passera pas. Ah, c'était bien essayé, ça passera pas. Hop, ici oui, ça va passer. Non, ça passera pas non plus, il ferme l'angle. On va essayer de passer ici par la gauche. En dépasser encore un ou deux. Puis ici il y a une ligne droite, on va essayer aussi. Oula, il faut bien freiner ici, attention. Ok, impec. Ici dans la ligne droite, essayer d'en prendre. Prendre un peu d'avance. Ici, hop, comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ici, par la droite, ça passe. Impeccable. On va faire le freinage au dernier moment. Ouais, comme ça. Bien joué. Impec. Et bien voilà, nous voici en tête. On va essayer maintenant de garder le rythme. C'est le plus important. Quand même bon. Enfin bon, je veux dire, pas doué, mais je veux dire bon dans le sens, ça se passe bien. Maintenant, si je pouvais faire quelques bons virages, ça, ça serait chouette. Pour remplir cette carte de sponsor, ça me plairait bien. Mais apparemment, je suis pas très fort pour les virages bons. Je crois que c'est lié à la vitesse. Ce dernier tour était de 1, 3, 3. Il nous reste combien de tours? Il nous reste 3 tours. Et ça se passe plutôt bien. Mmh.
Un petit bon virage, non, s'il vous plaît. Ah non, il n'en lâchera pas un. Ça, c'est un mauvais virage, de toute façon. Je suis en plein drift. Il nous reste maintenant presque plus que deux tours. Voilà, deux tours. Le dernier tour a donné 1, 5, 2. Et c'est parti. Alors ce virage-là, il était pas bon. Ben non, il était pas bon. Ah, c'est dommage. Hein. C'est vraiment extrêmement précis pour avoir un bon virage. Il faut vraiment, vraiment, je crois, être au millimètre et à la bonne vitesse. Sinon, il considère que c'est pas bon. Allez, dernier tour. Voilà, j'ai failli percuter. Virage raté. Et ça va. On est bon. On va gagner la course et on débloquera l'épreuve suivante. Et je pense que je mettrai fin à ce let's play. Et je vais compléter les courses à faire pour obtenir le bon nombre de kilomètres sur l'autre voiture, la VW, pour pouvoir la mettre en niveau 2. Comme ça, on pourra, dans le prochain let's play, voir la nouvelle course avec la voiture en niveau 2. Et alors upgrader celle-ci aussi en niveau 2. Et peut-être compléter la carte du sponsor. Pour voir ce que ça nous donne. Et voilà, nous y voici, nous y voilà. On est toujours à 6 bons virages, donc ça n'a pas bougé. On n'a fait aucun bon virage de toute la course. C'est tristoun. Mon niveau grimpe. Je rappelle qu'au niveau 35, on pourra débloquer des nouvelles améliorations pour les mécanos et les pilotes. Donc épreuve débloquée, c'est normal. Ah, plusieurs même, ça c'est bien. Un véhicule débloqué, ah ça c'est chouette aussi. Donc on a débloqué un véhicule et on a débloqué deux épreuves. 4000G, moins je sais pas combien je suppose. Non, moins rien. Niveau pilote 27. Ok, kilométrage. Ah, il manque 1 km pour améliorer la voiture. Alors on va voir un petit peu tout ce qu'on a débloqué, puis on mettra fin à ce let's play. Cette fois-ci on n'a pas eu de pénalité. Alors qu'est-ce que ça donne? Dans le garage on a débloqué une nouvelle voiture, on va aller voir laquelle. Une voiture tuner a été débloquée. Alors, laquelle est-ce? Il faut un petit point d'exclamation à côté. Je ne sais pas laquelle c'est. Je suis pourtant dans la bonne catégorie. C'est peut-être celle-ci. La Mazda peut-être, tout simplement. Peu importe. C'est étrange. C'est pas grave, on va aller dans l'écurie, voir un petit peu où on en est sur notre carte.
Donc 51 km parcourus sur les 95, seulement 6 virages et aucune élimination puisqu'il n'y en a pas. Ça c'est pas grave, quand on aura rempli les objectifs on pourra passer à une autre carte et attendre d'obtenir ce mode de jeu quelque part. Alors on va retourner dans carrière, on a débloqué une nouvelle épreuve. Ah, on a débloqué une épreuve tuner. Ah ben voilà, c'est cette voiture là qu'on a débloquée, c'est bien la Mazda. Donc, time attack, terminer l'épreuve 4ème ou mieux dans la Mix 5 Cup épreuve 1. Alors, il ne dit pas comment on débloque la deuxième. Remplissez l'objectif de MX5 épreuve 1, la voilà. Ok, donc on a accès au Rocket Tuner. Dans Specials, on a aussi débloqué une épreuve, c'est celle-ci. Donc c'est la Classic Mini Cup épreuve 2. Et donc ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est avant de débuter le prochain mode Let's Play, je vais refaire quelques courses ici. Donc les mêmes courses qu'on avait fait pour obtenir assez de kilomètres pour débloquer les performances de la voiture, pour pouvoir faire cette épreuve-là. Et puis on devra faire pareil ici, puisqu'il faut débloquer le niveau 2 d'amélioration, ce qu'on va faire ici aussi. On n'est même pas encore au niveau 1, donc il va falloir refaire des courses avec la Mini. Ça c'est un peu le côté embêtant et farming du jeu, c'est que ça nous oblige vraiment à faire beaucoup de kilomètres. Parce que si vous regardez la voiture, vous regardez les améliorations, il vous faut faire 56 km en tout avec cette voiture, donc il faut faire tout le temps les mêmes courses. Ça c'est un peu embêtant. Voilà, et bien ce Let's Play va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.